Du coup, on parle des raise button. Ok, on met la virgule là, on continue avec raise button. Raise button, on met new raise button. Ok, on presse, on peut directement appeler notre méthode changer couleur. Ok. On fait ça. Et puis, on enregistre les choses. Notre raise button, il est carrément invisible. Et il est dans notre widget. Et puis, c'est notre... Ici, qu'il y a 90... Que nous, on peut mettre maintenant 180 de hauteur. Voilà, il est là, notre raise button. Quand on les touche, il fait ça. Ok, notre raise button, on peut lui passer un child si possible. Ok, on peut lui passer un child. Ok, new text. Ok, et là on met bouton. Ok. On teste. Voilà, il est là bouton. Et puis, on fait ce qu'on veut avec Raise Button. Et derrière, on peut mettre plusieurs choses. Par exemple, la couleur. Colors.read. Ok. J'ai continué à faire cette bêtise là. Voilà. Quand j'enregistre, il est là notre couleur rouge. Et puis, on peut déterminer la couleur des textes. Text color. On met color. Color point white. Voilà, notre texte est à la couleur blanche. On peut lui ajouter notre fameuse élévation qu'on peut mettre par exemple 15. Vous voyez, on nous fournit l'ombre derrière. Voilà, c'est un peu ça. Par exemple, bon, en fait, notre couleur ici, on essaie de remettre ici par exemple le blanc. White. Pour que les choses se voient un peu bien. Voilà. Il est là. Il fait la même chose que l'autre là. Ok. C'est comme ça qu'on peut évoluer avec les règles.